C'est important de soutenir les copains. Welcome guys! Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je sais, ça faisait extrêmement longtemps que je n'en avais pas fait. Je me sens un peu honteuse, je vais vous mentir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous vlogger ma petite semaine qui, je pense, va être très chill. On n'a pas prévu de faire grand chose cette semaine avec mon copain. Mais écoutez, je me suis dit que ça pouvait être justement plutôt sympa de reprendre sur une semaine chill. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vlog, ça faisait très longtemps que je voulais en refaire. J'essaie de vous récapituler très vite fait tout ce qui s'est passé depuis le dernier vlog. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube, j'avais fait un vlog quand j'étais à l'école, donc j'étais en licence de sciences de l'éducation. Je m'étais réorientée, je vous l'avais expliqué, parce qu'avant j'étais en licence de langue et j'aimais pas du tout. Donc je me suis réorientée en septembre et avec plusieurs péripéties cette année, j'ai réussi à valider mon année. En fait, c'était assez dur pour moi cette année parce que je n'avais pas travaillé du tout. Les deux autres années précédentes, le bac, je vais pas vous mentir, je l'ai eu assez facilement puisque c'était l'année avec le Covid. L'année avec le Covid et du coup, ça n'a pas facilité les choses puisqu'on n'a pas passé beaucoup d'épreuves. Donc je n'ai pas été habituée à travailler depuis plus de 2 ans. Je me suis retrouvée cette année en licence de sciences d'éducation à devoir travailler. Une organisation de travail que je n'avais pas quand j'étais en licence de langue puisque je ne travaillais pas vu que je n'avais pas de licence. Du coup, il y a des petits changements depuis septembre. Donc là, on est dans l'appartement de mon copain. Et ça a une importance parce que j'ai le droit de le décorer à ma sauce comme je veux. Je pense qu'il y aura des petits vlogs, décoration, tout ça. Bon voilà, c'est tout. Les petites nouvelles depuis septembre. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vlog en fait, c'est parce que j'étais vraiment prise par les cours et cette année que maintenant j'ai trouvé une petite organisation, j'aimerais faire des vlogs à côté de la fac. On va essayer de s'y tenir, je sais que je dis ça à chaque fois mais cette fois-ci c'est la bonne j'espère. En fait j'ai toujours des petites phases où je me dis j'ai peur de ce que les gens vont penser si je fais des vlogs et après j'ai des phases où je suis là en mode on s'en fout. Et c'est pour ça que des fois j'arrête, que je supprime tout. Je remets tout. Donc là, toutes les vidéos sont de retour sur la chaîne YouTube. Il y a que quelques vidéos que j'ai supprimées parce que je n'étais plus en accord avec ce que je disais dans les vlogs et que je voulais pas que ça apparaisse sur ma chaîne. Il fait assez gris depuis juillet. On a très peu vu le soleil en Normandie. Je vais pas vous mentir. C'est pour ça que je suis en manque de vitamine D et que mon copain m'a gentiment demandé de l'accompagner en Tunisie. Alors lui, il part 15 jours, mais moi, je vais l'accompagner qu'une semaine sur les deux parce que déjà, je vais louper une semaine de cours à cause de ça. Et j'ai pas envie d'en louper plus. Sinon, au programme aujourd'hui, vu qu'il fait toujours gris, le programme, s'il faisait gris, c'était qu'on aille à Ikea. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc là, avant que mon copain rentre du travail, je vais faire mon petit programme que je vous ai dit. Du coup, j'ai fini de lire le guide de ma licence. Et là, mon copain est rentré. Donc là, du coup, on va aller à Ikea. Bon, du coup, là, on est rentré chez mes parents parce que j'avais un colis Vinted à emballer. Et ce soir, on mange chez les parents de mon copain. Donc là, je suis en train de me coiffer. Après, on a 2-3 courses à faire pour le repas de ce soir. J'ai retrouvé les campings. Ça change d'hier, rien qu'à la tête. Je vais un peu en retard, du coup j'ai dû aller me laver les cheveux vite fait et je sais même pas s'il va avoir le temps de sécher, donc il va falloir que je les sèche au sèche-cheveux, parce que je n'ai pas envie. J'ai mis une robe verte avec un bandeau Hermès et autant vous dire que je suis mitigée de la tenue. Ce matin je me maquille pas parce que cet après-midi je fais un rehaussement de cils. Toujours pas maquillée, ça me fout la haine de m'afficher comme ça. Là j'ai le colis. Et du coup, on va à mon travail. Je décomposerai le colis avant d'aller faire mes cils. Je suis libérable. Voilà, du coup, je viens de finir le travail. J'avais déposé le colis. Et on va sûrement aller voir ma grand-mère en attendant que j'aille à mon rendez-vous.
Bon, là j'ai été chez mamie et tati, j'ai fait un petit goûter et mon rendez-vous est dans 5 minutes. Donc, du coup, les gars, j'ai pas trop eu le temps de vous montrer le résultat, mais j'adore, je vous jure, ça change tout. Bon, du coup, après mon rendez-vous, j'ai rejoint mon copain et ses parents pour qu'on aille boire un verre tous ensemble. Et ensuite, on est rentré manger avec mes parents. Et là, on va aller se coucher. Donc, je pense qu'avec mon copain, là, on va se poser devant une petite série et ça va être la fin de la journée. C'est que c'est ignoble de profiter de ce drame. Bon, ce matin, je me suis réveillée en ayant très peur pour mes cils parce que j'avais l'impression qu'ils étaient tous collés. Franchement, ça m'a fait trop peur. Non, mais sérieux, les gars, regardez ce temps. Et je vous jure, vous n'êtes pas en Normandie en destination de vacances, hein, c'est pas mon bail. Je voulais écouter du bon Taylor Swift pour pouvoir aller travailler sereinement. Et j'ai oublié mes écouteurs. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy. Les gars, je vous ai pas refait de vidéo depuis que j'ai quitté le travail. Du coup, après le travail, je suis allée chez mes parents récupérer les affaires que j'avais récupérées avant de monter à Blainville. Je suis allée voir ma maman à son travail. Pour lui dire au revoir avant de revenir ici. Mon copain, on a décidé d'aller à la piscine, c'est pour ça que je suis en maillot de bain. Là, il est parti faire 2-3 courses et du coup, on attend qu'il revienne. Je vais continuer la lecture de Cœurs et âmes. Je pense que je vous ferai une petite revue parce que franchement, je suis mitigée sur ce livre. Il me connaît bien, le monsieur, famille du Taylor. On a fini la montée, j'ai mis les quelques livres que j'avais ramenés. Ça rend vraiment trop bien. Bonjour. Maintenant, je me suis levée assez tôt parce que quand je commence à 11h30, maintenant, j'aime bien avoir le temps de faire plein de choses. Je me suis levée à 8h30, j'ai déjeuné, j'ai eu mon copain au téléphone et un petit bain. J'ai eu le temps de bien avancer dans mon livre. Donc là, il me reste même pas 50 pages. Je vais essayer de le finir ce soir. On va faire la petite skincare. Je pense que je vais tout mettre en accéléré. Bah, du coup, je suis dans la voiture. On va aller chez mes parents. Il faut que je récupère 2-3 vêtements. Et puis, j'avais dit à mon papa que je viendrais le voir ce matin. Donc là, je vais au travail. Après le travail, je vais récupérer notre chat Agada chez le papa de mon copain. Et après je rentre à Blainville. Bon les gars, j'ai fini le travail et là je suis rentrée à Blainville. Du coup j'ai récupéré Takata. Elle est allée chez le vétérinaire pour se faire enlever son fil et ça s'est pas très bien passé. En fait on l'a fait opérer il y a 2 semaines maintenant. Elle avait un fil pour du coup faire sa cicatrice et le fil donc devait l'enlever. Le vétérinaire l'a enlevé et en fait il lui fait extrêmement mal, elle a saigné, apparemment elle a beaucoup pleuré. Du coup j'espère qu'elle va aller mieux la petite bichette. On va prendre une petite douche, on va manger et après on va aller se balader à Ouistreham. Bonjour. Matin, je me suis levée super tôt parce que j'ai fait un cauchemar. Je me suis levée à 7h45. J'ai fini 15 heures ce matin. J'étais lire un petit peu dans le canapé avant d'aller prendre une petite douche et de déjeuner. Les gars, vous n'imaginez même pas à quel point j'ai la flemme. Oh, en fait, c'est le problème de commencer aussi tard, c'est que du coup, tu te vautres toute la journée et après, il faut que tu ailles bosser. J'ai pas refilmé depuis hier, sauf que hier, du coup, j'ai travaillé toute la journée. Après, on a été à la piscine. Là, on s'est réveillé, on prend un petit déj et après on va au petit grenier. Bon les gars,
gars, du coup, j'ai pas fait de vidéo de conclusion. Donc là, c'est dans la semaine de montage que je vous le fais. J'espère que ce random vlog vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je suis pas satisfaite à 100% de celui-là, mais je suis contente d'en avoir refait un. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous, guys!